Bonjour, aujourd'hui direction l'Italie. On va apprendre à préparer une pizza blanche aux courgettes et à la mozzarella, une recette rapide et gourmande qui saura séduire petits et grands. Allez, c'est parti. Je commence par préchauffer le four à 240 ou thermostat 8. Je coupe les tomates bien mûres préalablement lavées en petits dés. Puis, je coupe grossièrement la mozzarella en cubes. Je taille les courgettes dans la longueur en très fine lanière à l'aide d'un économe. Enfin, je prépare mon jambon cru en le coupant dans le sens de la longueur pour obtenir des lanières. Tel un pizzaiolo, je pose ma pâte à pizza sur mon plan de travail fariné et je l'étale à la main. Une fois que j'ai obtenu un beau cercle, je place ma pâte sur la plaque du four préalablement recouverte de papier sulfurisé. C'est à ce moment que je répartis sur la pâte les dés de tomates, les lanières de courgettes et de jambon et les dés de mozzarella. Et n'oubliez pas d'assaisonner du sel, du poivre et une pincée de romarin. J'arrose la pizza d'un filet d'huile d'olive et je la glisse au four pour une quinzaine de minutes. À servir dès la sortie du four, accompagnée d'une salade verte, elle sera parfaite. Et n'oubliez pas que la plupart des ingrédients de cette recette sont disponibles dans votre magasin Leclerc avec la marque Repère. Bon appétit et à bientôt pour de nouvelles recettes!